السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي قناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous souhaitez acheter un panneau photovoltaïque sur le marché et vous ne savez pas comment choisir le bon panneau. Alors, suivez cette leçon, on va aborder les points et les critères les plus importants pour choisir le panneau photovoltaïque le plus approprié. Le premier critère. Connaître le type de module photovoltaïque. On a vu dans les leçons précédentes qu'il existe plusieurs types de modules photovoltaïques, mais sur le marché, voici les technologies les plus commercialisées. On a le silicium monocristallin, le silicium polycristallin et les couches minces, notamment la MORF et le CIS. Critère numéro 2. Choisir le bon panneau solaire pour votre installation. Ce n'est donc pas un investissement à prendre à la légère. Choisir une bonne marque, c'est s'assurer une production stable pendant toute la durée de vie du produit et une installation parfaitement sûre pour vous aider à faire le bon choix. Car il s'agit d'un dispositif de production d'électricité qui va fonctionner jusqu'à 30 ans. Voici une liste des 25 fabricants de panneaux solaires qui a été classée selon des critères bien précis. Fiabilité des garanties, type de cellule, taux de rendement, la puissance, etc. Si vous voulez acheter une autre marque, donc vous devez suivre les conseils suivants. Tout d'abord, il faut citer le nom du modèle complet avec le numéro de série du panneau. Après, vous tapez le nom du panneau sur le moteur de recherche sur Internet pour connaître plus d'informations sur ce panneau. S'il s'agit d'une bonne marque, vous allez trouver son datasheet généralement en PDF que vous devez télécharger pour bien connaître les données techniques détaillées du panneau photovoltaïque. Troisième critère. Après avoir obtenu la fiche technique du panneau, on doit vérifier les données techniques qui se trouvent dedans. On va commencer par le paramètre le plus important, qui est la puissance maximale. On va vérifier que la puissance calculée à partir du produit du courant max IM et la tension max VM est très proche de la valeur de la puissance maximale mentionnée sur la fiche technique en condition STC. Le deuxième paramètre est le rendement. C'est facile de calculer le rendement de n'importe quel module photovoltaïque. On doit avoir comme données le courant IM, la tension VM et la surface du module S. Et on utilise l'équation suivante pour obtenir la valeur du rendement en pourcentage et en condition STC. Pour le silicium monocristallin, si le rendement dépasse 16%, donc ce module est bon. Pour le polycristallin, il est préférable de choisir un module qui a un rendement plus de 14%. Pour les modules en couche mince, par exemple la MORF et le CIS, le rendement doit être supérieur à 12%. Troisième paramètre important à connaître est le coefficient de température. Le module photovoltaïque est considéré bon s'il a un coefficient de température de tension de circuit ouvert VOC inférieur ou égal à moins 0,32% par degré Celsius. Et aussi s'il possède un coefficient de température de puissance maximale KPM inférieur ou égal à moins 0,36% par degré Celsius.
Critère numéro 4. Le quatrième critère est les défauts de qualité de fabrication qu'on doit connaître avant d'acheter le module photovoltaïque et pour avoir une idée sur le rapport qualité-prix. Tout d'abord, nous devons clarifier certains termes techniques qu'on va utiliser. On va commencer par la face arrière du module photovoltaïque qui présente le dos du module. On trouve sur cette partie la boîte de jonction, l'étiquette qui contient la fiche technique, les deux fils électriques positifs et négatifs. La face avant du module photovoltaïque où on trouve l'encapsulation par une plaque de verre et l'interconnexion des cellules ou appelé ruban de tabulation. La cellule solaire est métallisée avec de fines bandes de forme rectangulaire imprimées. Ces bandes de contact sont appelées barres omnibus ou en anglais busbar qui relient les doigts de la grille. La première chose à vérifier est l'étiquette qui doit être présente. L'absence d'étiquette implique une fabrication de qualité inférieure. Les informations sur cette fiche sont nécessaires pour installer et utiliser correctement le panneau. L'étiquette doit être faite d'un matériau résistant à l'eau et aux dommages légers. L'étiquette ne doit pas s'écailler ou faire des bulles et elle doit être collée en permanence. L'exemple à droite utilise du ruban adhésif transparent sur une étiquette mal apposée. Les mots doivent être orthographiés correctement, quelle que soit la langue utilisée. Ceci est un indicateur du manque de professionnalisme du fabricant. B. Boîte de jonction. Les joints de soudure cassés, fils ou rubans de tabulation cassés, des contacts électriques brisés peuvent entraîner une défaillance du module. Fissure dans le boîtier. Manque un joint contenu autour des fils, possibilité d'entrée d'eau. L'humidité accumulée peut provoquer des courts-circuits ou la corrosion des contacts métalliques, augmentant ainsi le risque de fonte ou d'incendie. Les boîtes de jonction sur le module de haute qualité seront scellées en permanence pour atténuer ce risque. C. Vers avant. La vitre frontale est fissurée localement ou sur toute la surface. Chemin possible pour les entrées d'eau, problème de sécurité mécanique et électrique. Rayure permanente sur la surface de la vitre frontale ne peut pas être enlevée avec le nettoyage. La transmission de la lumière aux cellules sous-jacentes et donc la puissance du module est réduite. D. Cellules solaires. La fissure des cellules peut être partielle ou totale. Les fissures partielles peuvent se propager dans le temps. Selon la taille, les fissures peuvent être difficiles ou impossibles à repérer. La feuille de fond blanche peut être visible à travers de larges fissures. Cellule est recouverte partiellement et définitivement. Par exemple, par le cadre, une étiquette ou par une autre cellule. Ceci réduit la surface cellulaire active. Le courant sera limité par la plus petite surface de cellule, un indicateur de conception et de fabrication inférieure aux normes du fabricant. E. Métallisation des cellules. Les doigts métalliques ne sont pas connectés au busbar. Le courant d'une région non connectée ne peut pas être utilisé. La gravité dépend de la région touchée. Dans l'exemple ici, l'un tiers de la surface de la cellule est effectivement inutilisé. Indique une mauvaise conception et un fabricant de qualité inférieure.
différents motifs de métallisation apparents sur différentes cellules dans le même module. Si les cellules mal appariées sont combinées dans un module, les cellules les plus performantes seront limitées par les moins performantes. F. Interconnexion des cellules. Il n'y a pas d'interconnexion des cellules où le ruban de tabulation est présent, mais ne relie pas les cellules ensemble et discontinu. Notez que certains produits de petite consommation recouvrent le ruban de tabulation de noir. Un autre défaut où le ruban de tabulation apparaît en deux dimensions dans la zone entre les cellules. Un autre cas où le ruban de tabulation est mal aligné sur les barres omnibus ou un excès de soudure a coulé sur la cellule. En résumé, voici 5 conseils importants à suivre. Premièrement, choisir une bonne marque. Deuxièmement, vérifier les données techniques du panneau solaire. Troisièmement, vérifiez bien les défauts de fabrication, c'est-à-dire faire un examen visuel. Quatrièmement, demandez une garantie sur le produit, c'est-à-dire les défauts, et une garantie sur la production d'énergie, qui est généralement 10 ans ou plus. Et finalement, pour une grande installation, demandez une attestation de conformité et un certificat de la norme IEC. Voilà, c'était la fin de cette leçon. On a vu les points les plus importants à connaître avant d'acheter un panneau photovoltaïque. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la prochaine leçon. كان هذا الدرس اليوم متابعينا الأعزاء حيث رأينا أهم النقاط التي يجب معرفتها قبل شراء الألواح الكهروضوئية. شكرا لكم على المتابعة. إذا استفدتم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. شكرا إلى الدرس القادم بحول الله.